Coucou salut, connectez-vous. Comment allez-vous? Moi je vais très bien. C'est maintenant que je rentre. Journée très chargée. J'ai eu une journée très très chargée. Et vous, ça a été? Connectez-vous, on va causer. Identifier les amis, partager dans les groupes. J'ai pas l'habitude d'identifier ceux qui veulent venir et n'ont qu'à venir. J'ai porté la tenue des écans. Je suis écan. J'aime toujours le rappeler, c'est important. Vous devez savoir que nous sommes fiers d'être écans. Toujours le dire, soyez fiers de dire d'où vous venez. Alors j'ai un petit projet pour vous. C'est déjà la fin d'année, hein? Si vous n'avez rien fait pour vous tout au long de l'année, c'est pas en fin d'année que les résultats vont sortir. Donc je voudrais qu'on cause. Aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. J'ai passé une belle nuit. Vous savez, quand tu dors bien, mon bon vin. Je vais boire du vin. Quand je rentre le soir, je bois un peu de vin. Ça me fait du bien. À votre santé. J'adore le Mont Basillac. C'est du bon vin. Mon chéri m'a ramené un paquet de bouteilles. Il dit, regarde, si tu veux déjà que je devienne alcoolique ou quoi. Donc, je fais la fête. Dès que je rentre le soir, je bois un peu. Ça me fait du bien, ça me détend. J'adore le Mont Basillac. Si vous pouvez m'offrir des cartons, ça me fera plaisir. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes en fin d'année. Ça, c'est mon parfum. Voilà mon parfum que j'adore. C'est des bons parfums. Ça fait du bien de bien se parfumer. J'ai une belle tenue. On m'a offert encore une autre tenue. Parce que j'avais parlé déjà de la tenue et quand. Et mon chéri m'a offert une belle tenue et quand. Hein. Elle a porté celle qui est zébrée là. Donc j'étais en train de dire que pour la nouvelle année, j'ai des beaux projets pour vous. Ça c'est mon rouge à lèvres. Je suis vraiment chez... Moi, j'aime beaucoup. Là, je trouve mon compte là-dedans. Le parfum est fruité, il sent bon. Voilà. C'est la qualité. Je suis dans la qualité. Je suis dans la qualité. J'adore. J'adore la qualité. Donc, j'étais en train de vous dire que nous amorçons la fin de l'année. On dit toujours nouvelle année, nouvelle méthode. Est-ce que ça tient encore aujourd'hui? Merci, merci. Merci. Vous avez déjà vu ma tenue là. Parfois je fais des mois et des mois, je ne porte pas. Mais elle est toujours là avec moi. C'est un haut et une jupe. J'adore. Je ne voulais pas faire le cabas. Je ne voulais pas porter le cabas. Donc je me suis dit... Je fais un... Bonjour David, ça va? J'ai remarqué que tu m'écris tout le temps. C'est gentil, David. Comment vas-tu? Adada. Ada du Sud. Ah, ça va? C'est ma fille? Donc,
Quand je suis habillée comme ça, là, je sens vraiment une femme qui a déjà 50, 55. Waouh! Bonsoir! Bonsoir! Maintenant, je regarde, maintenant, je vois, il y a des gens qui me saluent. Bonsoir! La femme bio, voilà. Je suis bio. J'ai voulu rester bio. Ça n'a pas été facile. Le parcours d'une femme bio, ce n'est jamais facile. Oda dit, Odibou qui mène. Et les doigts là et moi. Oda dit, Odibou qui mène. Et ma boîte. Et Boma. Bonsoir. Bonsoir. Tu as mon bracelet? J'en avais même 4. Mais comme les gens demandent, je vais encore en acheter. Qui a des conseillers? Je fais, moi, j'achète le parfum avec mon agent. Merci. Merci. Je fais ce que je veux. On ne donne pas les conseils à une femme de mon âge. Bonsoir. Ah bon? Je chauffe mes tas. Aka, c'est vous qui voyez. Je suis sur Internet depuis 2009, hein? 2010 exactement. C'est parce que vous aimez là où il y a les insultes. Merci. Mekaëlise. Kaëlie, ça c'est le nom de chez moi. Donc j'étais en train de vous dire que je vais très bien comme une couleur. Nous allons parler. J'ai, oui, un tel chocolat placard. Ok. Je n'ai pas besoin de toi, non. Je ne cherche pas les enfants sur Internet. Annie Bozomet, c'est ta soeur de Bobo. Qui s'appelle Bozomet à Obobo? Je ne connais pas le nom là. Je connais Annie Olé. Qui est Bozomet? C'est Annie qui est Bozomet. Je vais donc vous raconter mon parcours de femme noire. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Vous êtes chez moi ici. Tu demandes que chez moi, c'est où? Je suis chez moi ici. Je ne suis pas... Vous ne reconnaissez plus mon château. Vous ne reconnaissez pas mon château. Je suis chez moi ici. C'est Agnolé, hein? Oh, tu as ajouté Bozomet. Il y a Bozomet, c'est quoi? Ma petite Annie, je ne suis pas contente. Hein? Comment tu te perds souvent comme ça? Hein, Annie? Ah, puis maintenant, tu dis, toi et moi, on est un, tu étais complice. Comment tu te perds comme ça? Je n'ai pas de tes nouvelles. Hein? Toi-même, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu te perds comme ça, qu'il y a quoi? Merci d'être venu dans mon direct. On envoie. Ah, je vous signale la présence de ma petite soeur. Hein? C'est même ma fille. Parce qu'elle est loin de moi. C'est ma petite, ma fille. Depuis que tu te perds, il dit, ah ok, à Luka, il me dit, on est dit. Donc, j'étais en train de vous dire que tu as mon numéro de téléphone, appelle-moi. Aka. Les gens qui m'appellent toujours quand je suis en direct. Ça nous fait quoi que tu sois à Bruxelles? Ne venez pas mettre les gens mal à l'aise ici. Donc j'étais en train de vous dire que ça n'a pas été facile que je garde la couleur noire. Parce que les filles de mon époque sont toutes, elles ont fait le Ndiansan. Toutes les filles de mon époque ont fait le Ndiansan. Je suis pratiquement la seule. Oui, il y a aussi Adrienne Bassalan.
Pour rester noir comme ça, est-ce que ça a été facile? Les insultes. Noir au péteur. Je suis désolée, je vais supprimer. On ne parle pas des anonymes ici. Quand vous avez vos stars, allez les apprécier dans leur mur. Personne n'est star ici. À part... Oh, ma petite soeur rêve. Oh, la famille Mbiayi, Aline Zomobem Mbiayi. Envoyez des cœurs à ma petite soeur rêve Mbiayi. Elle est là. La princesse. La princesse Banganté. Antiga. Antiga. Ça n'a pas été facile. Et c'était l'époque des Féman. Les Féman draguaient seulement les filles claires de peau. On m'a amené et les lots de Javel. Je connais les formules pour devenir claire de peau. Parfois, je veux céder. Parce que je ne sais jamais sortir avec un Féman, hein, comme j'étais noire. Les Féman draguaient seulement mes copines. Ce sont mes copines qui m'ont fait manger à l'époque. Parce que moi, j'étais noire. Bonsoir. Je termine d'abord le Kongosa. Ce sont mes copines qui me donnaient à manger comme elles sortaient avec les Féman. Les Féman ne me draguaient pas. Même si les Féman... J'étais au lycée technique. J'ai fréquenté en Dissamba. Où les hommes venaient chercher. Eh, mon fils bien-aimé là. La brigade des Buzz. La brigade des Buzz est là, mon fils bien-aimé. Ta maman avait la même tenue. Eh non, ne pleure pas. Ne pleure pas, rêve. Je dis que les mamans nous ont fait fort. Elles nous ont laissés dans ce monde de brutes. Et chaque jour, on lutte pour sortir de l'eau. Les gens, on explique aux gens qu'on est même orpheline. Les gens s'en foutent. Ils viennent t'insulter. Tu es orpheline. Quand on est orpheline, on est déjà faible. Surtout orpheline de père et de mère. Quand vous venez souvent encore insulter, mais comme on a vu que c'est là comme ça, nous aussi, on entre dans le comme ça là. On ne va pas se laisser intimider. Oui, le commandant est là. Ça va, mon fils? La photo que tu m'as envoyée l'autre jour, j'ai dit seulement que mon fils est... Mon fils bien-aimé. Envoyez des cœurs pour la brigade des Buzz. La famille est vraiment représentée. Hein? Hmm? La famille est représentée. Hein? Et qui est? Il y a quelqu'un qui ne fait que dire que termine ton Kongosa. Je faisais même les 6 mois sans binda. Hein? Parce que les Féman ne me draguaient pas. J'étais noire. Et pourtant, j'étais une belle noirate. Ils ont dit que les filles ont commencé à s'injecter le formol. Elles ont commencé à s'injecter l'eau de Javel. Elles ont commencé à mettre le Pax. Elles ont commencé à se laver avec le Caribou, le Asepso. Toutes mes copines, la génération là est aujourd'hui les rideux. Il y a une qui m'a salué à l'aéroport, je ne l'ai pas reconnue. Il y a une qui... Ce n'est pas obligé. Il y a beaucoup de chanteuses. Si je veux chanter avec une chanteuse, je vais chanter avec Katino. Je peux chanter avec Katino. Je peux chanter avec Coco Argenté. Je peux chanter avec... Il y a beaucoup de chanteuses que j'aime. Il y a beaucoup de chanteuses avec qui... Je peux chanter avec Biberon Cerveau. Je peux chanter avec Biberon Cerveau. Je vais bientôt chanter, hein. J'ai 2 nouvelles chansons, là. Je vais bientôt chanter. Je crois qu'elles vont faire mal. Parce que j'ai déjà l'expérience. Mboli Nina me bat l'expérience. Je vais bientôt chanter. Parce que j'ai chanté Sombok. Vous avez aimé ma voix. Je n'ai pas une voix de tête. Moi, je chante avec la deuxième. Parce que je n'ai pas envie que ma voix... Vous devez savoir que c'est pas seulement parce qu'on crie qu'on a une belle voix. Les autres voix sont aussi belles. Je chante avec la deuxième. Je vais chanter. Je vais entrer en studio bientôt. Attendez-moi. Je ne suis pas seulement romancière. Je connais aussi chanter. Moi-même, je crée déjà les chansons. Vous savez que j'étais mariée avec un chanteur. Donc, il m'a donné un peu de son don. C'est à ça que sert le mariage. Il ne voulait pas que je chante, alors que moi, je trichais comment il chante.
Donc moi, je suis seulement là, je dois être une femme. Une femme au quartier. Est-ce qu'elle sait chanter? Elle n'arrive même pas à chanter le Ben Sikin. Depuis que les gens... Vous avez vu que le Ben Sikin n'est rien. Est-ce que j'ai joui? Tu racontes que je t'aime, oh. Est-ce que j'ai joui? Est-ce que j'ai joui? Tu racontes que je t'aime, oh. Est-ce que j'ai joui? Mais comme on ne dit pas joui en direct. Est-ce que j'ai ja? Tu racontes que je t'aime, oh. Est-ce que j'ai ja? Est-ce que j'ai ja? Est-ce que j'ai joui? Tu racontes que je t'aime, oh. Est-ce que j'ai joui? Parce qu'il y a les gars ici dehors, ils veulent nous déranger. Oh, je sors avec Aline Zobo. Est-ce que j'ai joui? Est-ce que j'ai joui? Est-ce que j'ai joui? Voilà l'une des chansons de l'album. Voilà l'une des chansons de l'album. Ce sera un maxi single, deux chansons. Et l'autre chanson, c'est que ne me trahis pas. Ne me trahis pas, oh, ne me trahis pas, eh. J'adore les hommes mariés, ne me trahis pas. Manye ma bombe zabe yomo, ne me trahis pas, oh. Manye yon besoin baltanga ne mo, ne me trahis pas. Ne me trahis pas, oh, ne me trahis pas. J'aime faire l'amour avec les hommes mariés, ne me trahis pas. Tu vois que coule ne me, oh, tu vois que coule ne me. Ne me trahis pas. Ne me trahis pas. Ne me trahis pas. Ne me trahis pas. Oh, ne me trahis pas. J'adore les hommes mariés. Ne me trahis pas. J'aime couiller avec les hommes mariés. Ne me trahis pas. Te wa kula ne mo. Te wa kula ne me. Ne me trahis pas. S'il te plaît, ne me trahis pas. Ne me trahis pas, oh, ne me trahis pas. J'aime couiller avec les hommes mariés. Ne me trahis pas. Te wakula ne mo, oh, te wakula ne me. Madjanga ne sabe yomo. Ne me trahis pas. Pardon, ne me trahis pas, oh, ne me trahis pas. J'aime baiser avec les hommes mariés. Te wa kula ne ma wo, te wa kula ne ma e. Mani ama janga ne zabe yomo. Non, en fait, j'aime les chansons d'animation. Vous savez que je suis dans l'humour. Donc, je ne peux pas être normal. I'm not a normal. Je suis toujours... Mani ama janga ne zabe yomo. J'adore seulement les hommes mariés, ne me trahis pas. Quand tu as ton mari, fais attention avec moi. J'adore les hommes mariés, ne me trahis pas. Manya madjanga ne zabe yomo, ne me trahis pas. Parce que les hommes mariés sont sucrés. Non, je blague. Ça, c'est pour animer, hein. Je veux seulement animer. Vous savez qu'on a déjà abordé tous les sujets. On a déjà chanté pour le ventre et le bas-ventre. On a chanté pour le zizi. On a chanté pour le bangala. On a chanté pour. On n'a pas encore chanté pour les hommes mariés. C'est là où je suis. Francis, je vous signale la présence de mon ami personnel, Francis Eyala, brillant journaliste camerounais. Ça va, mon chéri? So long time, hein? Merci d'avoir pensé à moi. Tu es venu dans mon direct. Donc, voilà les deux chansons. Ne me trahis pas. Et l'autre chanson. Je vais faire ça parce qu'il faut toujours de l'animation. Les gens sont tellement tristes.
Il y a les gens qui ne font pas l'amour, ils sont tristes. Il faut qu'on les encourage. Si un célibataire ne te drague pas, sort avec un homme marié, c'est pas méchant. Il faut aider les femmes mariées à supporter le mariage, à soigner la blessure. Vous savez que si un homme ne fait pas trop l'amour, il va avoir la prostate. Bouc. Le vin, c'est bon. Hein? Tu te portes bien. Ah, ça se voit, merci. J'aime faire l'amour avec les hommes mariés. Ne me trahis pas. Je vais faire les dédicaces à la famille Mbiaï. Rêve Mbiaï, j'adore les hommes mariés. Ne me trahis pas. Ma soeur chérie, ne me trahis pas. Ne me trahis. Parce que quand je vais souvent aller voir les hommes mariés, si je suis avec toi, ne trahis pas le secret, pardon. Je vous en supplie, je vous en conjure, je vous demande pardon. Ne me trahissez pas. Tu es amoureuse, voilà. Tu es amoureuse d'un homme marié, ne me trahis pas. Ne me trahis pas, wo. Ma djangane zabe yo, tu wakula ne me ye, tu wakula ne me wo, tu wakula ne ma. Manya majangane zabe yomo tu wakula ne meye tu wakula ne mo tu wakula ne ma. J'adore seulement les hommes mariés, ne me trahis pas. J'aime couiller avec les hommes mariés. Je mets les lunettes parce que les femmes mariées là, J'adore seulement les hommes mariés. Et quand on danse la chanson, on peut faire la touche que tac. Parce qu'il faut provoquer les femmes mariées, elles dérangent. Les femmes mariées craignent trop. C'est pour ça que moi j'ai divorcé. Hein. Moi j'ai divorcé parce que je voulais déjà commencer à trop crâner. Oh, j'étais même madame qui là. J'ai oublié le nom. Quand j'étais mariée, je voulais déjà commencer à marcher épaule carrée, madame. Moi j'étais même mariée avec qui encore? Oh, c'est là où Liza m'attrape souvent. J'étais mariée. Hein. Et on m'a m'a dit, mon gars, t'es loin. Comme j'ai vu que j'aime trop les hommes mariés, j'ai dit que je divorce pour bien opérer. Parce que tu es marié, tu aimes les hommes mariés, ce n'est pas bon. Divorce, tu commences donc à faire le travail. On ne va pas t'accuser de quelque chose. J'étais mariée, hein? Vous savez ça? Est-ce que vous savez que j'ai été mariée? Ta femme écoute mon direct. Hein? Quelle fiche la paix? Est-ce que je chante pour elle? Ou bien tu es venu me dire que tu veux que je te touche. You want to you touch me who? Est-ce que tu as alors le niveau? Ce n'est pas alors n'importe quel homme marié. Hein? Ne venez pas ici avec vos poires que vous avez dans le pantalon là. Ce ne sera pas n'importe quel homme marié. On choisit aussi. Ce n'est pas la gnognotte. Le bangmasa, ce sont les bangmasa qu'on calcule comme ça là. La chanson là, ce n'est pas pour les pauvres. J'ai dit que les hommes mariés en question, ce n'est pas les pauvres. Ce n'est pas les pauvres. Je ne chante pas pour les pauvres. Je ne chante pas pour les hommes pauvres. Donc ne venez pas stresser là. Que les femmes qui ont les maris pauvres se calment. Ça ne concerne pas les maris pauvres. Envoyez les cœurs. La chanson ne concerne pas les maris pauvres. Nabingongolbipot, vous allez venir stresser ici avec vos femmes. Les femmes pauvres avec leur mari pauvre, vous n'êtes pas concernées par ma chanson. Vous n'êtes pas concernées. Aucune femme pauvre ne doit mal dormir quand elle écoute ma chanson. C'est pour les gars qui ont les trucs. Bangmasa, bongo baby le money, maïa sous bongo baby le money. Et quand elles sont chantées, j'enlève mon habit. Vous savez que moi je ne perds pas le temps. Hein. Je montre les tétons. Parce qu'il faut que les hommes mariés la sachent de quoi je suis capable. Sors alors de mon direct, donc ça veut dire que tu es pauvre. Parce que les gars qui ont les trucs ne quittent pas mon direct. Hein. Parce qu'on ne sait jamais. Je peux changer là, je montre les tétons. J'adore seulement les hommes mariés, ne me trahis pas. Pourquoi les gens me saluent beaucoup aujourd'hui? Ah, car laisse-moi les choses. Je n'aime pas quand quelqu'un dans mon direct vient me dire que je ressemble à sa mère. Je ne suis pas universel. Non, 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 je suis une créature de mon père. C'est mon père qui a engoncé ma maman que je suis sortie. Je ressemble à mon père. Tu ne peux pas venir dire que je ressemble à ta maman. Ma benne. Mon père ne faisait pas les enfants partout. Non, non, non. Je dis non. Mon père n'a pas fait les enfants dans tout le Cameroun.
Je refuse. Je ne peux pas ressembler à ta mère parce que mon père n'a pas couillé ta maman. Ma benne est wa. Donc, j'étais en train de dire que moi, je suis une comédienne, une humoriste. J'anime la galerie. Et il y a les gens qui viennent mettre les organes quand je fais quelque chose. Mais comme je m'en fous, je m'en pisse, je m'en tape. Les gens qui ont mis les organes quand je fais quelque chose, ça a donné quoi? Je suis toujours debout, non? Libre. 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 Quand vous êtes venu mettre les organes dans mes choses, ça a donné quoi? Moi, quelqu'un ne me stresse pas. Hein? Quelqu'un ne me stresse pas sur Internet. Hein? Je deviens barbare. Et j'entre dans la barbarie. Quelqu'un ne me stresse pas sur Internet. C'est ça que je vous dis encore là. Libre. Comment? Je chante pour les hommes, arrivez, venez. Hein? Ne mettez pas les organes dans mes choses. Ah! C'est comme je dis que je vais chanter pour les hommes mariés. Et comme tu as dit que tu aimes les directs d'Aline Zomo. Hein? Donc ça veut dire qu'elle va sortir. Pas les pauvres. Mais Calais, mais Norbe, mais Ibe. Nyormeha. Je ne parle pas des pauvres. Aka, est-ce qu'on a le même père? Mon père était noir. C'était un bel étalon noir. Et puis mon père était intelligent. Hein? Tous les enfants de mon père sont intelligents. Donc, quand tu vas me parler des analphabètes, c'est pas le même... Non, 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 ne mélange pas. Faut pas mélanger. Donc, la personne qui a demandé que tu vas chanter, quoi, vous êtes déjà au courant. Ça sera un album. Un album de deux chansons, on appelle ça Maxi Single. Bayana Maxi Single. Ce sera un album de deux chansons. Je dis que hein, ça sera un album de chansons. Voilà. Un album de deux chansons. Un maxi single. Je vais chanter. Vous avez dit que je chante bien, il va encore chanter. Ça sera une chanson qui fait rire. Vous allez rigoler dans le style Sombok. Parce que dans Sombok, on rit. On rit. On rit des choses que je dis là-dedans. Donc, je suis toujours dans l'humour. Je vais chanter pour animer la danse. Je vous ai dit que j'ai 3 bouteilles de vin. S'il y a quelqu'un qui a soif, il vient prendre sa part. Hein? Sa part. Vous comprenez? C'est mon humour. Hein? C'est bien. Pourquoi je vais vous faire? Tes soeurs sont analphabètes. Moi, je ne viens plus distiller l'intelligence. Vous avez refusé mon intelligence. Vous n'avez pas acheté mes ouvrages. Ce sont les étrangers qui me permettent de vivre. Les Camerounais, vous n'achetez pas mes ouvrages. Donc, ne viens pas me parler de la littérature. Je ne connais pas écrire. Laissez mon nom. Maintenant, j'insulte. Vous avez refusé de lire mes romans. Donc, on y remet, hein? Va dire à tes soeurs d'aller à l'école pour écrire les romans. Parce qu'il faut un peu d'intelligence pour écrire, hein? C'est pas que tu sors du camion, tu dis que tu vas venir écrire. Non, non, non. Il faut un peu d'intelligence. Je n'écris plus. Ou bien, je vais encore écrire. Quand? J'ai déjà beaucoup écrit. Est-ce que vous avez lu? Ce sont les étrangers qui me permettent de manger. Laisse ça. Tu n'as pas lu mes livres, laisse les gens. Ceux qui achètent mes ouvrages, il y a leur nom. Est-ce que c'est le tchavoum? Va te faire voir ailleurs. Tu n'as pas acheté mes romans. Laisse-moi tranquille. Ce n'est même pas pour ça que je suis là. Je suis venu. Le sujet même que je suis venu aborder, vous ne l'avez même pas écouté. J'étais en train de dire que les femmes noires, nous avons beaucoup souffert. Vous savez, je suis de 1968. Hein? La révolution de 1968. Pendant que les gens tiraient dehors, mon père était en train de tirer sur ma maman. Et je suis né. Les hommes ne nous ont pas aimés et pour un idiot. Les hommes nous ont détestés à l'époque idiot. Toutes les femmes voulaient être claires.
Comme, parce que le président a dit, tu avais une femme aussi claire. Hein. Maman Germaine, toutes les femmes voulaient être claires de peau comme Maman Germaine. J'ai souffert de cette époque. Tout le monde voulait seulement me proposer. Toi, tu veux rester noire, change de peau. On vient me proposer que maintenant, alors, c'est l'eau de Javel. Tu mets 3 gouttes. Comment tu vas calculer 3 gouttes dans un lait? Comment tu vas calculer 3 gouttes? Elle-même, elle va écrire quand? Est-ce qu'elle peut même déjà écrire son nom? Je vais te bloquer, hein, parce que tu amènes les polémiques qui ne m'intéressent pas. Je ne parle pas des inconnus. Je ne parle pas des inconnus. Je n'ai pas envie d'être sauvage aujourd'hui. Donc, va t'asseoir là où tu veux. Si tu la supportes, tu vas sur sa page. Ne viens pas passer les nouvelles. Je n'ai pas le temps. Je suis une intellectuelle émancipée. Je n'ai pas le temps. Il y a des jours où je veux aussi être... Parce que j'ai un rang social. Il ne faut pas me mélanger avec la poubelle. Je ne veux pas. Donc, je vous disais que... Et pour Aïdjo, il y avait donc les filles, les championnes qui transportaient les mauvaises nouvelles. On est en train de suivre le cours de Madame Bombak, Madame Feu Bombak, une brillante Camerounaise. Oh là là, Madame Bombak. Pendant que parce que je ne voulais pas aller à l'école, disons que je ne voulais pas suivre certains cours. Et Madame Bombak avait remarqué ça. Donc, quand elle fait cours, elle insiste que je sois là et il faut que je suive, il faut que je réponde aux questions. C'est là où la coyote là arrive et dit que, hé, vous savez pourquoi mon teint est bien? J'ai mis seulement 3 gouttes d'eau de Javel. Ah, yeah. Ce sont les 3 gouttes d'eau de Javel que j'ai mis dans mon lait. Allez mettre aussi, Aline, comme tu es noire là, comme noiro péteur, noiro, il me oumeta. Que j'aille mettre aussi 3 gouttes d'eau de Javel dans mon lait. Comment tu vas mettre 3 gouttes? Vous-même, regardez l'eau de Javel. Elle dit que non, il faut mettre ça dans la seringue. Quand je dis, je ne vais pas aller risquer ma vie. Qu'est-ce qu'il y a même? Parce que les Femmes étaient alors en vogue. Les gars qui avaient l'argent. Les argentiers. Les gars qui font la facilité là. Ils étaient dehors avec l'argent. Les filles, vous... Non, les hommes aiment aussi l'argent. Tu voyais une fille noire aujourd'hui, demain elle est déjà claire de peau. Elle a déjà mis les 3 gouttes d'eau de Javel. Elle a déjà mis 3 gouttes d'eau de Javel. Elle commence à devenir métisse devant nous. On ne comprend pas. C'est comment? C'est les 3 gouttes là, non? C'est les 3 gouttes. Toi, tu attends quoi pour mettre les 3 gouttes? Les filles ont commencé à me harceler. C'est le harcèlement de ça que tu veux vivre. Elles ont commencé à me harceler que moi aussi, je dois... Si je fais comment aujourd'hui? Si je faisais l'huile, je serais déjà vieille. Je vous ai dit que j'ai envie de vieillir. Si je faisais alors l'eau de Javel là, toutes mes copines là sont déjà des vieilles femmes. Elles ont déjà vieilli. Et les filles sont déjà des vieilles. Hein? Parce qu'elles ont fait l'eau de Javel. Elles ont javelisé la peau. Oui, OJ. Les filles sont déjà javelisées. Elles ont mis l'eau de Javel. Toi, tu sais même pourquoi. C'est quoi avec toi? On ne peut pas manger. Elles ont javelisé l'affaire. Utiliser les lingettes, hein. C'est pratique. Les filles ont javelisé l'affaire. Elles ont javelisé l'affaire. J'ai bataillé avec les filles. Elles ont même dit qu'elles ne marchent plus avec moi. Comme je ne veux pas devenir... J'ai dit, c'est quoi? Laissez-moi. Je m'habille, hein. Je porte l'autre tenue et quand? C'est la journée aujourd'hui. J'arrive. Je vous mets de la musique. Et on dit que y'a un
Maman, m'intéresse le mot. Ou qu'on a fait un robin le monnaie. Ou a battu pour te miloué. Ou a y'a comme un bodé n'y a dit yo. Ou n'a comme un bodé n'y a dit. Calme-toi. L'argent ne fait pas le bonheur. Baisse le niveau. Y'a que. Ouais, deux mètres sur terre. Ouais, beauté n'y dit wo wo. Calme-toi. Obi le mona le tza. Je m'habille. Je porte la deuxième tenue et quand. Quand on est sur la toile, on est pauvre. Les femmes qui ont l'argent, ce sont elles qui sont mariées au Cameroun avec les milliardaires. Quand on est sur Internet, on est pauvre, on se cherche. Les femmes qui ont l'argent au Cameroun, ce sont elles qui sont mariées avec les milliardaires, les membres du gouvernement. Sur la toile, là, ce n'est que les pauvres femmes. Arrêtez de venir prononcer les noms des pauvres. Et on a vu celles qui se sont démarquées comme
Coco Emilia. Le nom que vous prononcez là, est-ce qu'elle atteint Coco Emilia à la cheville? Le nom que vous prononcez là, est-ce qu'elle atteint Nathalie Kwa à la cheville? Est-ce qu'elle atteint les femmes des milliardaires à la cheville? Arrêtez de venir parler des pauvres. Est-ce que vous êtes obligé même de venir sur ma page? Nous avons la chance aujourd'hui que chacune a son mur. Quand vous supportez quelqu'un, allez sur sa page. Allez soutenir la personne sur sa page. Ne venez pas citer les noms des pauvres femmes. Les pauvres femmes ici, là. Quand tu as l'argent, montre la voiture, montre la maison que tu as. Ne pas, pas toucher les maisons des gens. J'ai porté ma tenue et quand? La deuxième tenue. Comment vous me trouvez, là? La nièce de Mobutu Sese Seko. Les pauvres filles. Sur Internet, nous nous débrouillons. Les vraies filles sont mariées au Cameroun. Parce qu'il y a l'argent au Cameroun. Hein. Il faut seulement être dans le réseau. Quand tu es dans la misère, une pauvre femme, tu es sur Internet, tu fais n'importe quoi, on va dire que tu as quel argent? Tu as quel argent? Vous voulez toujours qu'on vous insulte? Je suis en tenue et quand? Donc, j'ai de la réserve aujourd'hui. Je suis en tenue et quand? Je suis en tenue et quand? J'ai de la réserve. Ne venez pas prononcer le nom des misérables ici. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que chacune de nous a son parcours. Moi, j'ai beaucoup souffert parce que je suis restée noire. Beza, maïo, yo, no, mosso, wa, ye, be, wo, telling, yele, ye, mon, abu, foy. C'est-à-dire, les gens chantent les chansons. Vous n'écoutez pas. Vous êtes toujours en train de faire les bêtises. Vous connaissez les femmes qui ont l'argent au Cameroun. Les vraies femmes. Les vraies femmes qui ont l'argent au Cameroun. Le mari a l'argent, il donne aussi à sa femme. Les pauvres filles qu'il y a sur Internet. Hein? Je suis venu vous montrer ma tenue. Parce que moi, je suis écam. C'est pas long. C'est pas le tchavou. J'ai déjà ma tenue écam. Voilà. Permettez-nous de vivre aussi sur Internet dans la dignité. On ne passe pas le temps à faire la concurrence. La concurrence de quoi? Hein? La concurrence de quoi? Vous-même, vous savez très bien que c'est les pauvres filles. Vous venez citer les noms, pourquoi? On a mieux à faire. Hein? Momio et Selemba. Momio et Selemba. Momio et Selemba. Momio et Selemba. Moussango. Nenyo lango e bukimba. Dibalasu e bukimba. Et Solomuna, je te salue. Momio e Selemba. Jerio e Selemba. Vous connaissez encore Solomuna, non? Momio e Selemba. Chérie, oh, et c'est les bas. Vous venez parler de... Je suis la nièce de Mobutu. Un tête en tête. Je mets le présent Mobutu. Hein. Je bois du Mont Basiak. Je ne suis pas alcoolique, mais j'adore le Mont Basiak. C'est ça que je bois. Parce que je me suis demandé, je ne vais pas quitter ce monde sans boire un peu d'alcool. J'ai commencé à goûter les alcools et j'ai apprécié le Mont Basiak. C'est là où je suis. Et ça passe, hein? J'adore. Maintenant, je bois le Mont Basiak. Moi-même, je pars acheter avec mon argent. J'achète le carton. Momio et Selemba. Chérie, oh, et Selemba. Momio et Selemba. Pourquoi vous venez parler de petits pays ici? Inyolango e bukimba. Gibalasu e bukimba e.
Monsieur Mundi, Claude, ma personne personnelle, et Ayombande. Oh. Pourquoi vous venez citer son nom ici? Il y a eu quoi? Petit pays, c'est un homme gentil. Hein. Venez pas citer son nom ici. Moumi Oe Selemba. Chérie Oe Selemba. Moumi Oe Selemba. Nanana. Madou Oe Selemba. Moussangoe. Oh. Inyolango e Bukimba. Dibarasu e Bukimba. Et, ah. Non. Donc, je vous disais donc que je suis fière de porter la tenue écarlate. Hein? Comme vous voyez là. Je me suis dit, il faut aussi que j'achète la tenue là. C'est important. Que moi aussi, je porte la tenue écarlate. C'est important que moi aussi je porte la tenue et quand. Donc j'ai d'abord cousu. Voilà. Voilà. Très important. Très important. Donc, je voulais vous montrer ma belle tenue. Vous voyez, non? Donc, j'ai déjà mes tenues là, au calme. La fille est quand? La fille est quand? C'est l'emba. Chérie, c'est l'emba. Solomona. Il y a eu des bons chanteurs, hein? Très important. J'ai fini de vous raconter mon odyssée. Que les femmes noires ont beaucoup souffert à l'époque. On a beaucoup souffert. Les gars préféraient les femmes claires de peau. Et les filles ont commencé donc à mettre l'eau de Javel dans l'huile. Trois gouttes. Trois gouttes. Trois gouttes. Tu mets trois gouttes, tu deviens métisse. Les filles de mon époque ont commencé à mettre le saboula. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu croisais ta camarade. Tu dis, elle dit bonjour Aline. Tu dis, toi, tu es encore qui? Mais c'est moi, Élise. Ah, Élise! Tu es métisse, ça fait comment? Trois gouttes. Toi, tu attends quoi? Tu es toujours noire là, tu ne changes pas. Mais où me t'as? Noir péteur, noir péteuse, noir. Il change un peu ta couleur de peau. Parce que les Camerounaises taquinent, hein. C'est ça qu'elles ont amené sur Internet. C'est là où j'ai alors dit que je ne laisse plus. Je ne suis plus au lycée technique. On se comporte au lycée technique. Ici, on est dans la jungle. Une Camerounaise m'insulte, je l'insulte. Fois ça. Parce que j'ai souffert de ça au lycée. Tu es toujours noir, là. Tout le monde change sa peau. Tu es toujours noir. C'est quelle qualité de noir? J'ai dit, laissez-moi, je suis noire. Et si tu n'as pas l'argent, on t'achète l'huile. Oui, parce que c'est comme ça que les femmes sont. Quand tu n'achètes pas l'huile, elles disent que tu n'as pas l'argent. Moi, je vais sacrifier l'argent d'acheter l'huile au lieu d'acheter même le vin ou la nourriture. Manga dit quoi ça? Manga dit quoi ça? Au lieu d'aller acheter l'huile, je préfère encore manger le plantain mieux, non? Ça a le goût, hein? Au lieu d'aller acheter l'huile, je peux faire manger le poisson. Au lieu d'aller acheter l'huile, je mange le poisson. Comment?
Le vin, maman, c'est bon. Oh, si tu n'as pas l'argent pour acheter l'huile, on t'achète l'huile. Ça, c'est quelle saleté, ça. Tu es toujours comme ça. Hein, tu n'aimes pas. Okay. Elle commence à t'insulter. Que tu n'aimes pas, tu n'as pas envie de mettre l'huile parce que tu n'as pas l'argent. Alors que c'est parce que tu ne veux pas gâter ta peau. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Qui a gagné?
Donc, je vais vous laisser pour... je vais refaire une autre vidéo où je porte seulement la tenue. Parce que là, j'ai dû changer entre deux. Et je vais chanter l'hymne des Ekan. Ekan Ambolo, Sangom, Mavemi Ambolo, Sangom. Je sais que ma canne est où. Et quand un bolo, sango, ma veut mis un bolo. Et n'y a pas venu, ya. Yé, ano. Bimane ya so, yé, yé. J'ai le tam tam, hein. Bimane ya so, yé, bolo, oh. Bimane ya so, sang, melimo. Yé, ano. Bimane ya so, yé. Parce que les petits sont dans la zone du sud et du centre. Du centre et du sud. Ça revient au même. Bimane yaso duma sang melima. Bimane yaso ano. Bimane yaso yeye. Bite mvele bite. Mvoramuru. Bimane yaso ano. Bimane yaso yeye. E kangombolo sangom. Ma vemi ambolo sangom. Ma so yazo etele mazo bobo. Ya. Manango le fond et aso et tellement si abobo oh ya eh ano bimane yaso je suis chaude aïe on bande je suis chaude la fille boule de sang mais voici aucun lin ils ont cousu ça ils n'ont pas pris les mesures ah ah oh mais le chaude hein. La chaudeur. Je blague. Je prépare un album de deux chansons. Quand je fais mes choses, si tu mets les organes, Odian et Coq. À tout allure. Je reviens. Je ne pars pas, je reviens.